Bonjour, c'est Thierry pour Pays de l'Entreprise. Pour vous faire l'entreprise, vous allez l'entreprise. On est bon, c'est ça. Bonjour et bienvenue sur Fan de Nouvelles Technologies. Vous m'avez manqué. On vient tout juste de sortir de 3 mois de confinement grâce au Covid-19. Je suis un peu nostalgique parce que j'ai profité de ce temps pour être vraiment avec mes enfants. Aujourd'hui, on va parler cinéma. Enfin, cinéma à la maison. Avec ceci. Le projecteur Laser 430 de chez Vankyo. Je vous propose de le déballer tout de suite, comme ça on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors oui, évidemment, on n'est pas sur un pico-projecteur. Vous savez, ces micro-projecteurs qui existent. Mais on n'est pas non plus sur un truc énorme. Et moi, la première chose qui m'a surpris, c'est sa taille. Je vous le montre comme ça entre mes mains parce qu'on s'en rend beaucoup plus compte. Il est franchement pas gros. On est sur des matériaux qui semblent bien solides. Il n'est pas forcément très lourd. Il est plutôt joli. Et il y a un haut-parleur intégré. Alors, évidemment, on n'est pas sur un énorme haut-parleur, mais ça permet déjà de regarder des choses sans avoir besoin de prendre derrière des enceintes. Évidemment, si vous voulez l'utiliser dans une pièce unique pour faire cinéma, je vous conseille évidemment de brancher sur la sortie audio de manière à ce que vous puissiez avoir un son optimal dans la pièce. Soit vous branchez un casque filaire, soit vous branchez directement les haut-parleurs par le biais de la prise jack. Vous avez juste à côté une prise également pour l'audiovisuel. C'est là que vous utilisez ceci. Vous la branchez ici et ensuite vous avez la partie vidéo et la partie stéréo gauche-droite. Pour l'audio. Ici, vous pouvez insérer une carte SD, l'entrée VGA classique pour un ordinateur, une prise USB ici pour les disques durs ou les clés USB, et une prise ici pour les entrées HDMI. On a en dessous des petits patins qui permettent justement de bien adhérer sur les surfaces sur lesquelles on va poser l'engin. On a une petite molette ici qui se tourne, qui permet donc de relever ou de redescendre l'appareil pour orienter l'écran. À l'avant, vous avez bien évidemment la lentille. Au-dessus, vous avez une première molette qui sert à faire la focalisation, donc à avoir une image nette. Et cette molette, c'est la molette trapézoïdale. En clair. Si votre appareil est un peu vers le haut, l'écran sera forcément un peu plus large en haut qu'en bas. Donc pour pallier à ça, vous tournez cette molette, ça va faire en sorte, c'est comme si on basculait en fait l'appareil de cette manière et qu'il se retrouvait pile en face. Et on va se retrouver avec un rectangle parfait. Mais si, ils ont compris. Vous avez un cache en plastique dur qui permet de protéger la lentille pour les déplacements, sachant que de toute façon, il est livré avec une mallette de protection. Donc normalement, il n'y a pas de souci. Vous avez également dans la boîte des petits ustensiles de nettoyage. Et bien sûr, une télécommande, ce qui évite d'avoir à se lever pour faire quoi que ce soit. Sur le dessus de l'appareil, nous retrouvons un bouton marche-arrêt, un bouton pour accéder au menu, un bouton pour choisir la source d'entrée et un bouton retour. Voilà, dans les menus, pour pouvoir naviguer dans les menus. Et ici, en fait, cette petite molette vous sert tout simplement à aller en haut, en bas, à gauche ou à droite dans les menus et ensuite de pouvoir appuyer sur OK ici au milieu. On retrouve évidemment les mêmes fonctions sur la télécommande avec en plus la possibilité d'augmenter et diminuer le son qui sort de l'appareil directement ici. Et ici un bouton lecture, pause, retour en arrière et avance. Et même un bouton mute. L'appareil peut être placé à 1,50 m de l'écran et jusqu'à 8,60 m de l'écran. Évidemment, plus on s'éloigne, plus la taille de l'écran augmente. À 1,50 m de l'écran, on a une taille d'écran de 40 pouces. Et à 8,6 m de distance, on a un écran de 236 pouces. Ce qui commence à faire pas mal grand. Au niveau des sources du signal, on peut y avoir du VGA, de l'HD, de l'audiovisuel, de l'USB et du SD. Avec toutes ces sources d'entrée, vous doutez qu'on peut brancher un paquet de choses, comme des consoles de jeux évidemment, mais aussi un téléphone portable, bien évidemment un ordinateur, un Chromecast, une carte mémoire, une clé USB, un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un iPhone 1, un Nokia 3210, l'avion de votre fils. Oubliez les trois derniers. Bref, vous pouvez y connecter un paquet d'appareils. On est sur une technologie d'affichage en LCD et une source lumineuse en LED. Le signal d'entrée peut aller jusqu'à 1080p. On peut l'installer dans ce sens, mais aussi
à l'envers. Le menu vous permettant de retourner l'écran. On peut se mettre évidemment en 4 tiers ou en 16 neuvième. La focalisation, vous l'avez bien compris, est manuelle, mais elle se fait super rapidement. Je reviens quand même sur ce petit haut-parleur parce que malgré ces 3 watts, oui, on n'est pas non plus sur une barre de son, bah, ça permet quand même d'avoir la possibilité d'émettre des sons là où on n'en a pas. On peut lire de tout, évidemment de la vidéo, on peut regarder des films, on peut regarder des séries, on peut regarder la télé, on peut également regarder des photos, on peut aussi regarder ces vidéos. Il y a beaucoup de formats qui sont supportés, la VI, le MP4, le MKV, le FLV, le MOV, le RMVB, le 3GP, le MPG1, le MPG2, le XVID. Vous pouvez y aller sans problème, pratiquement l'essentiel de ce qui est lu aujourd'hui en vidéo, il passe dans cette limite 2080p. Parmi les plus, je dirais l'esthétique, franchement il a de la gueule je trouve. Autre chose que j'aime bien, c'est toutes les sources qu'on a sur le côté, toutes les possibilités de branchement. Ça laisse quand même un paquet de choix par rapport à un paquet d'appareils. Autre chose que j'apprécie également, c'est la molette trapézoïdale qui permet d'avoir un véritable rectangle au niveau de l'écran et non pas un trapèze. Autre point que j'ai bien aimé, les menus sont simples. On n'a pas besoin de rentrer dans du détail pour avoir quelque chose tout de suite à l'écran. Le petit haut-parleur, qui malgré ses 3 watts est super utile. Le point le plus positif, c'est son prix. Il est actuellement sur Amazon à 99,99€. Hein ? 5500 lumens, Full HD, portable, compatible avec les TV Box, PS4, smartphone, etc. Ouais, ça en fait un produit à ne pas rater. C'est pour ça que ma chaîne existe, pour vous faire découvrir des nouveaux produits qui viennent d'arriver, mais aussi des produits qui existent déjà, mais à côté desquels vous êtes passé et qu'il ne faut surtout pas rater. Vous l'avez compris, c'en est un. Je vous recommande ce Vankyo chaudement. Dans tous les cas, pour ne rien rater, appuyez sur le bouton s'abonner juste là. Merci encore à vous d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Bien évidemment, je vous prépare d'autres belles surprises et d'autres belles vidéos, alors... Ah bah il est parti. Bon, ben, je vais y aller.